au studio Teldex à Berlin pour enregistrer le cinquième disque que l'on fait avec Youri Martinov. C'est un projet autour de l'œuvre de Prokofiev avec la cinquième et la sixième sonate. La particularité un peu par rapport à l'habitude qu'on a de travailler avec Youri, c'est que pour la première fois c'est sur un instrument moderne qui s'explique par le répertoire et aussi parce que Youri joue aussi bien des instruments dits historiques que des instruments modernes. Prokofiev était un étudiant du fameux conservatoire Saint-Pétersbourgeois. Donc, il avait vraiment une école excellente pour son pianisme, pour sa manière d'écrire. Il a appris énormément de choses. Au début du XXe siècle, la sensation de son pays, de sa ville, etc., était beaucoup plus importante. Cette sorte de nostalgie qui était très typique pour l'émigration russe, il était évidemment bien connu par Prokofiev aussi. Lui, il a pris la décision de revenir. Ce qui est intéressant dans ce travail avec Youri, qui maintenant existe depuis plusieurs années, l'intérêt, c'est évidemment qu'on se connaît. On a pu travailler évidemment sur cette intégrale des symphonies de Beethoven transcrite par Liszt. Et là, on a déjà enregistré trois volumes sur cinq. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'aborder des nouveaux répertoires, d'aborder un répertoire plus contemporain, avec ce passé déjà de quatre disques, parce qu'on travaille, on est beaucoup plus efficace et on a beaucoup moins besoin de parler, besoin de réfléchir ensemble sur la manière de travailler. On sait comment on travaille ensemble. La cinquième sonate, c'est une chose qui avait la valeur singulière pour lui. C'est un morceau extraordinairement intéressant parce que c'est tellement clair au début. Et tout de suite, ça commence à devenir détruit. C'était la sensation d'un monde très fragile, qui était très typique pour la culture russe du début du XXe siècle. La sixième, c'est la sensation de le commencement, de la fin du monde. Ce sont les alarmes, c'est les bruits de guerre. Non, c'est vraiment la puissance. C'est le moment quand l'armée des croisés commence à attaquer les troupes russes. Et ce mouvement lent, mais sans aucune possibilité de l'arrêter, c'est très bien montré. C'était très intéressant sur ce projet parce qu'évidemment la musique de Prokofiev, qui est une musique très exigeante, aussi bien au niveau évidemment des besoins, des moyens pianistiques, mais également au niveau sonore, il faut vraiment créer un univers autour de l'instrument. Et c'est vrai que le fait de travailler ici, c'est une chance incroyable parce qu'on a un outil à la fois dans la salle mais dans les micros proposés, qui est exceptionnel. Ce qui permet évidemment d'avoir des couleurs et un relief de l'instrument très très large et qui favorise vraiment le jeu orchestral de Youri. À mon avis, c'était pas tellement important de prendre vraiment l'instrument de temps exact de Prokofiev. C'est ce qu'il était très important, par exemple, pour les transcriptions des symphonies, d'utiliser les instruments d'époque qui ont vraiment le couleur spéciale. Pour la musique de Prokofiev, l'instrument moderne est absolument convenable. Même peut-être la
clarté des aigus et la puissance d'instruments plus modernes que les pianos de temps de Prokofiev, c'est une chose peut-être plus intéressante, plus éclatante, que j'aimerais bien utiliser. Je ne sais pas, peut-être on a réussi quelque chose.